Faire la musique de chambre, jouer avec, ensemble avec Boris depuis longtemps, on se connaît depuis qu'on a 6-7 ans. Et donc voilà, on a décidé il y a 3 ans de créer ce trio et de s'y investir à temps plein et voilà, d'essayer vraiment de pousser au maximum cette formation et ce qu'on peut faire dedans. We play Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Tchaïkovski, all the way to current composers. On se contente pas seulement de jouer un texte et de le respecter vraiment. Et on essaie de découvrir d'autres choses et dans l'originalité, dans la manière de l'interpréter et au niveau de couleurs sonores aussi, beaucoup, et d'intention musicale et d'être dans la peau d'un personnage. We practice for hours and hours and hours, sort of together, alone, in a place to prepare for being on stage, you know, where you have the public. And as much as you practice, you know, having that extra element, having people that are listening, it changes how you play, which also makes things very special, I think. You know, when you have that element, there's finally the element of connection, which is what this is really about. On incarne des personnages et on essaye d'élaborer une histoire tout au long de l'œuvre et de faire évoluer un personnage ou même un décor ou une ambiance à travers la musique. Cool thing about the trio is that there's an ability to kind of cycle through us. I mean, so maybe one day I'll have some ideas about what I want or have some strong feelings, and so I'll say, you know, let's do that. And then the other day Mark will say, no, let's do it this way, and Boris will say, I really want to do this. So that's what makes the work interesting as well. We all bring our different personalities to the group and to the music.